Shalom, shalom, je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des âmes du maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Casson. Et j'ai avec moi un ex-sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la sorcellerie et qui est venu ici. Et Dieu a délivré par le biais de son serviteur, le prophète Joël Casson. Comme nous sommes ici dans un ministère de délivrance, tous les cas de sorcellerie se règlent ici. Lui, c'est comme ça, lui aussi, il est passé ici. Auparavant animé par l'esprit de la sorcellerie, aujourd'hui il est délivré, donc nous allons écouter son témoignage. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Didemak Josué. Qu'est-ce que tu avais? Comment tu es arrivé ici? Je suis arrivé ici avec la sorcellerie. Oui. Comment tu as contacté la sorcellerie? J'ai contacté la sorcellerie par la nourriture. Par la nourriture. Oui. Et depuis, à la maison, les parents savaient déjà que tu étais sorcier. Oui. En venant ici. Donc ça veut dire que ce n'est pas ici que j'ai été dévoilé. Déjà à la maison, les gens savaient déjà que tu pratiquais la sorcellerie. Okay. Nous recueillons tous ces détails parce que d'autres ont tendance à dire que c'est un montage, c'est des montages que nous faisons ici. C'est pourquoi je dis que même déjà à la maison, les parents savent déjà que leurs enfants sont sorciers avant qu'ils ne les emmènent à la délivrance. Ce n'est pas des choses improvisées, ce n'est pas des trucs qui viennent du hasard, mais c'est un fait qui était déjà préétabli avant qu'ils ne guérissent. Et aujourd'hui, comment tu viens? Donne, raconte-nous ton problème. Qu'est-ce que tu as fait? Papa est tué. Tu as tué? Il est détruit. Ton papa, il fait quel travail? Papa, c'est tout à fait. C'est ce qui met les trucs dans la maison, là. Tout à fait, c'est quoi? Plafond. Ah, ah, plafond, les trucs. Là. Tu as tué? Ouais. Toi, tu as tué. Tu as quel âge? Il y a 14 ans. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est mon cousin. Ton cousin. Comment il t'a donné la sorcellerie? Il m'a donné un biscuit. Un biscuit? Ouais. Comment? Il a mis ses yeux sur le biscuit. Il avait quoi? Il a mis ses yeux sur le biscuit. Mais comment tu as su qu'il a mis les yeux sur le biscuit? Non, c'est après, il m'a montré... La pratique? Oui, après, il m'a montré la pratique, c'est ça. Et puis après, il m'a dit que c'est ça, il a mis dans mon biscuit. Oui, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé, et puis, la nuit, il m'a appelé, il a appelé mon âme au carré. Il a appelé ton âme? Au carré. Comment? Il a créé mon nom 5 fois. Oui. Il a dit Mbak, Mbak, Mbak. Donc, mon nom s'est levé et mon âme est parti. Ton âme s'est levé comment? Mon âme est quittée de mon corps. Comment? Comment ça fait? Quand l'âme quitte ton corps, comment? Toi, tu dormais. Mm-hmm. Comment ton âme est quittée dans son corps? Mon corps, mon âme est quittée dans mon corps. Comment? Comment? Du coup, une voix peut te faire lever. Mon âme, quand il m'a appelé, il a entendu. Mais comment tu peux entendre? Mais c'est qu'il a fait que tu as entendu. Oui, c'est ce qu'il a fait que j'ai entendu. Oui. Mais quand j'ai entendu, je me suis levé. Il y avait un animal qui était là. Quel animal? Un hibou. Oui. Donc je suis rentré dans l'hibou. Tu es rentré dans l'hibou? Oui, et puis je suis parti au carrefour. Oui. Et puis après, mon âme est descendue au carrefour et puis il est venu me chercher. Il est resté là. Comment il t'a cherché? Vous êtes parti comment? On est parti, lui là, lui il est transformé en chat. Oui. Moi je suis transformé en hibou. Oui. Et puis les gens se sont transformés en chat. Oui, mais comment? Et puis vous êtes retrouvé où? J'ai retrouvé dans un village. Un village? Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez fait? On était assis, on nous a présenté aux membres de la conférence. Ça, c'est la première fois que tu faisais la sorcellerie, c'est ça? Oui. On t'a présenté. On nous a présenté. On nous a, ça veut dire, on t'a présenté ou bon, on nous a? On m'a présenté au chef de la conférence. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit bienvenue à la conférence. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis après, ils m'ont donné de la viande à manger. La viande à manger. Ils t'ont dit que c'était quelle viande? Ils ont dit c'est la viande de l'homme. Ils t'ont dit la viande de l'homme. Et puis après? Ils ont mangé la viande. Et puis le lendemain, je suis revenu. Ils t'ont pas donné le vin à boire, le sang? Ils m'ont donné le vin à boire. Ah, mais c'est ce que je vais attendre. Et puis le lendemain, parlez fort, parle fort. Le lendemain, ils m'ont dit de partir tuer. On a dit le lendemain d'aller partir tuer. Et tu as tué qui? Mon cousin Lazare. Tu as tué ton cousin? Comment tu as fait pour aller tuer ton cousin? L'état à mesure était à dormir. Mm-hmm. Il était ivre. Donc je suis rentré dans la chambre. En le regardant seulement. Tu as regardé droit dans les yeux? Regardé droit dans les yeux. Mm-hmm. Et puis il est mort. Et il est mort. Tu as pris son âme? Il a pris son âme. Et puis tu es parti avec ça? Et tu l'as mangé? Mm-hmm. Quelle partie de son corps tu as mangé? Moi je mange le cœur. Toi tu manges le cœur? Non. Et tu as tué qui encore? Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 5 personnes. Depuis qu'il t'est sorti, 5 personnes? Non. À part Lazare, tu as tué qui? À part Lazare, j'ai tué ma petite soeur qui était dans le ventre de ma mère. Ah, tu as tué la petite soeur qui est dans le cœur de ta mère? Ma mère a fait une forte couche. Et oui, toi tu savais que c'était une fille? Oui, c'était que tu as tué. Oui.
Comment tu as arrangé? Ma mère m'a appelé. Elle m'a appelé le soir avant de dormir à 23h. Mm-hmm. Donc quand elle m'a appelé, je l'ai localisé en même temps. Mm-hmm. Donc quand il l'a localisé, la nuit à minuit. Elle vivait pas avec toi dans la même maison? Elle vivait moi dans la même maison. Mm-hmm. Donc quand je l'ai localisé, à minuit, je suis sorti de mon chambre et j'ai dit aux autres compagnons de venir me la tuer. On a tué l'enfant qui est dans le ventre à moi. Oui, mais pourquoi? Moi, parce que maman était pas tout petit. Mmh. Mais qu'est-ce que ça a à voir, l'enfant? Pourquoi c'est pas elle qui tue, mais c'est le bébé qui tue? Bon, je pense que si le bébé l'est, elle n'a pas s'occuper de moi. Mmh. Donc, je tue l'enfant. Et tu es le seul de ta maman? Je suis le seul de ma maman. Ah, ok. Donc, tu es le seul de ta maman? Oui. Donc, si elle mettait l'enfant au monde, mais puisqu'elle n'est plus avec toi, elle n'est plus. Donc, tu as tué le bébé. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle elle a fait de l'enfant? Non, elle n'a pas fait de l'enfant. Elle n'a plus fait d'enfant. Elle est où? Elle est à Fresco. À Fresco? Toi, tu es quelle ethnie? Je suis bété. D'où? De Gawa. Et ta main est quoi? Ma main est chose d'Akoui. Vous avez entendu, non? On n'entend pas. Hein? Vous n'avez pas entendu? On n'a pas le micro. Il dit qu'il a empêché sa main de faire des enfants. Sa propre mère. Donc on aura besoin de sa propre mère. Voilà, nous on a besoin des victimes. C'est vrai qu'il les a vus, les gens parlent, mais on a besoin aussi des victimes. C'est pas ceux-là. Eux, ils ont fait, ils gâtent, mais les victimes, la vie des gens qu'ils ont gâtés là, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Donc tu as empêché ta maman de faire enfant. Parle fort, parle fort. Le micro ne donne pas. Il ne donne pas le micro. Il ne donne pas. Ah, c'est faible d'ailleurs. Donc tu as empêché ta maman de faire enfant. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Non, tu as tué Lazare, tu as tué la deuxième, l'enfant qui m'a demandé. Il reste trois personnes. Quelles sont les trois autres? Les trois personnes, j'ai tué mes trois amis de l'école. Tu as tué les amis de l'école? Voilà, voici le comble. C'est-à-dire, même aujourd'hui, on peut tuer. Comment tu as tué les amis de l'école? Mes amis de l'école, je leur ai donné du pain. Hein? Du pain, ils m'ont demandé du pain. Vos enfants qui aiment demander manger à l'école, tu as donné du pain. Mm-hmm. Comment? Pain, tu mangeais des sandwichs? Oui, je mangeais du pain. Oui. Donc, j'ai mis mes yeux dans le pain. J'ai mis les yeux dans le pain. Quand il m'a demandé, je lui ai donné. Oui. Mm-hmm. Et je lui ai donné la manger. Tu as donné quoi? Le pain et puis la manger. Tu as donné le pain à ceux que tu veux tuer là. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils sont morts. Ils sont morts. Mais qu'est-ce que tu as fait de leur corps? Bon. Je les ai tués, mais j'ai pris les choses, le cœur, la tête et les pieds. Mais comment tu as retrouvé la viande là? J'ai retrouvé la viande là-bas parce que j'étais en chèvre. Hein? Avant qu'ils meurent, je les avais attachés. Ah, tu les avais déjà attachés? Mm-hmm. Mais comment tu. Puisqu'ils n'ont rien à voir avec ta famille, pourquoi toi tu arrives à tuer les gens qui n'ont rien à voir avec ta famille? Parce que les trois sont mauvais, ils sont très mauvais. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas la raison qui les a amenés à les tuer. Les sondis, la sorcellerie dit, c'est ce que les gens savent. Si tu n'es pas, tes parents ne sont pas dedans, et les sorciers peuvent t'avoir. Pourquoi toi tu arrives à avoir accès à la vie des gens? Parce que tous les trois, les grands frères étaient sorciers. Et ils faisaient partie de ta confrérie. Mm-hmm. Et pourquoi c'est toi qui les tues? Parce que j'étais plus proche d'eux que les grands frères, parce que les grands frères n'étaient pas à la maison. Parce que toi tu avais envie de les tuer, c'est ça? Mm-hmm. Maintenant tu as gâté la vie de qui? J'ai gâté la vie de mes parents. Tu avais dit quoi? Quand mon papa a l'argent, quand il a l'argent, j'enlève ma part et je lui donne le reste. Tu enlèves ta part, ça veut dire? Si il gagne 3 millions, mm-hmm. J'enlève les 3 millions. J'enlève ma part dans les 3 mais millions. Mais toi, ta part, c'est combien? Moi, ma part, c'est 2 500 000. Et puis, tu lui donnes 500 000. Mm-hmm. Maintenant, toi, les 2 millions, c'est ce que tu fais pour ça? Je garde ça dans ma banque. Tu as une banque? Voilà. Donc tu dois avoir beaucoup d'argent. C'est les fêtes qui sont en train de... Non, tu vas nous donner pour nous. Tu l'as vu? Tu es banquier. Comment tu es? Comment vous arrivez, vous les sorciers, à prendre l'argent des gens, les garder dans la banque? Comment? Pourquoi je lui donne son argent? Quand je lui demande de l'argent. Mm-hmm. L'argent de l'école. Quand il me donne, je ne bouffe pas tout. La nuit, ça va se retrouver là-bas. Donc, quand il te donne l'argent, à partir de l'argent qu'il t'a donné, tu as accès à tout son argent.
C'est l'empreinte digitale qui est sur la pièce ou le billet. À partir de ça, j'en fais très bien, c'est tout. C'est pour ça que l'huile, là, quand vous voulez dormir, mettez l'huile, vous voulez être consacré, mettez l'huile, l'onction là, c'est important. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Donc tu as appauvri ton père. Mais c'est pourquoi? Puisque ton papa. Pourquoi tu as appauvri ton père? Pourquoi? Il n'était pas avec moi depuis petit. Ah donc c'est la raison, c'est son cadeau ça. Il t'a mis au monde là, c'est son cadeau. À part ton papa t'a gâté qui? Il a gâté ma mère aussi. Hein? Ah, oui. Oui, la femme de mon papa. Ah la femme de ton papa. Mm-hmm. Comment tu as fait? Donc ta mère est là, elle est à Fresco. Et celle qui vit avec ton papa là, tu as gâté sa vie. Mm-hmm. Comment tu as fait? Pour elle, je lui ai lancé un sort. Quel sort? Pour qu'elle ne travaille pas. Pour pas travailler. Mm-hmm. Tu as fait comment? Un jour, elle m'a donné de l'argent. Et puis, elle m'a dit que c'est mon travail. Donc, elle est partie au travail. Le soir, quand elle est revenue, j'ai pris ses affaires. Donc, par ses affaires, je l'ai localisé. Puis, j'ai trouvé ce travail. Tu as gâté le travail? Mm-hmm. Je n'ai pas compris. Comment tu as fait pour localiser le travail? Ben, nous, quand elle est venue, je l'ai salué et j'ai pris ses affaires. Tu as pris les affaires. Elle vient d'arriver. Mm-hmm. Tu as pris ses affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti dans la chambre. Comme elle n'était pas encore là. Mm-hmm. Donc il a regardé, mm-hmm. il a regardé les papiers. Mm-hmm. Donc j'ai pris ça. La nuit, on est parti, puis on a dit tout. Vous êtes de tout le travail. Mm-hmm. Donc elle ne travaille plus, c'est ça. Mm-hmm. Et tu as fait quoi d'autre encore? Tu as fait quoi d'autre? Et de tout la vie de mon oncle. Ton oncle, comment il s'appelle? Ça s'appelle Vincent. Vincent. Ça s'appelle Vincent. Mm-hmm. Comment tu as détruit sa vie? Lui, j'ai mis l'alcool sur lui. L'alcool, comment tu as arrangé? Lui, quand il y a les fêtes, il paye un peu de boissons pour venir à la maison. Mm-hmm. Donc, dans les boissons, moi et puis sa femme, on l'a envoûté. Sa femme est sorcière? Oui, sa femme est sorcière. Mais comment toi, tu arrives de reconnaître un sorcier? Donc, quand tu vois un sorcier, tu peux le reconnaître? Oui, on reconnaît facilement. Comment? Comment on reconnaît le sorcier? À les yeux. À les yeux. Non. Comment? Tu vois si... Tu ouvres ses yeux, tu ouvres tes yeux grandement et puis tu fixes ses yeux. Tu n'as pas dedans, tu sais comment il n'a pas dedans. Mmh. Quel est le motif fait? Donc lui, ses yeux grands, il est dedans et lui il est sorcier. Avant j'étais sorcier. J'ai tué, j'ai détruit. Quand je suis venu chez le pasteur, je suis venu chez le prophète. Aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens libre. Tu ne sors plus de ton corps. Oui, tu ne vois plus. Oui. Okay. Et si on te proposait encore d'entrer dans la sorcellerie? Je vais résister à la sorcellerie. Tu vas résister à la sorcellerie. Oui. Okay. Parce que comment nous faisons? Quand nous faisons la délivrance, il y a ce qu'on appelle l'étape du serment. Il prête serment devant Dieu et devant la terre, devant les hommes. Pour dire que si il arrivait encore qu'il retournait dans la sorcellerie, qu'il meurt. Et selon cette parole, or la Bible dit que la parole est une semence. Donc nous partons de cette parole pour faire sa consécration. Nous nous consacrons à Dieu pour dire que désormais il ne peut plus retourner dans la sorcellerie. Et à cause de la parole qu'il vient de déclarer sur lui-même, lui, le jour où il retourne à la sorcellerie, cette parole le rattrape. Désormais, n'ayez plus peur de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est encore dans la sorcellerie. Il ne peut plus jamais retourner dans la sorcellerie. Parce qu'il a ajouté une parole sur sa vie. Oui, pour dire que s'il retourne à la sorcellerie, il meurt. Voici comment nous procédons à la délivrance. Voici comment nous arrivons à délivrer et en même temps consacrer la vie des ex-sorciers à Dieu. Merci. Shalom. Que Dieu vous bénisse.